voir Grim. Putain, c'est vraiment étonnant sur le coup, je pensais pas que... Je pensais qu'il y avait un vieux Grim près de, du pays de sang, mais je me suis trompé. J'aimais Silita. Quel dommage. Mais peut-être... Je l'entends lui. Alors, ben 4. 2005, pas mal. Alors, déjà je viens de prendre. Tu es tout aussi sage. Pourtant. Ensuite, est-ce que j'ai des objets? On va prendre infliction. Voilà. Infliger à vos ennemis une infliction causant des dégâts sur le temps. Après, ouais, je pense pas que je vais faire passer au niveau supérieur, parce qu'après c'est pas plus important que ça. Donc, on va faire tout passer au niveau 3. Voilà. Donc ça, c'est bon. Passer à l'antre du serpent. Oui, ils sont tous, hein. Dérive de Léviathan. Ah, ils y sont tous. Ça m'étonne, je pensais qu'il y en manquait un de plus, mais en fait, non. Tant pis. À la potence ardente. On arrive. C'est bon. Voilà, maintenant qu'on a vaincu Silita, on va voir ce qui va se passer. Bon, on va pas affronter les petits cons là. Hop. On va passer directement à Samael. À me demander si tu allais survivre assez longtemps pour y arriver. Donne-le-moi. Vous m'avez menti au sujet des élus. Ils n'ont jamais gardé la tour. Et qu'est-ce que ça change? Il n'était pas question d'histoire ancienne. Je t'ai promis la tour. Et tu l'observeras. Samael a sa pleine puissance. Est-ce que ça t'a plu de me provoquer de la sorte? Ma puissance ainsi retrouvée, je suis tel un dieu. Je pourrais sucer la moelle de tes os avant même que tu t'en aperçoives. Je pourrais. Mais je possède moi aussi le sens des affaires. Du reste, tu peux dire ce que tu veux sur l'équilibre et ton absurde loi. Je reconnais de loin une soif de vengeance quand j'en vois une. Et la vengeance, ça se respecte. Quant au pourquoi de ma renonciation... Eh bien... Je n'apprécie guère les fréquentations de mon maître. Pourquoi avez-vous défié le Destructeur, Samael? Poursuis ton chemin jusqu'au bout, cavalier. Tu comprendras bien assez vite. Tu lui fais confiance? Par les neuf enfers, qui sait où cette porte nous mènera? Nous nous retrouverons. Ça, je pense pas. Donc, apparemment, on va faire un tour. Un tour de la flèche pour aller voir en gros un autre élu qui nous a grave fait chier au début, et on va lui botter le cul à cet enfoiré.
le trône noir. Allez, mets-moi les marches que je ne tombe pas. Ah. Oh putain, je me souvenais plus de ce passage. Azrael, pitié, aide-moi. Le septième sceau n'a pas été brisé. Qu'avez-vous à craindre de moi, ange de la mort? Si tu n'as pas l'intention de me tuer, alors peut-être m'aideras-tu. Je n'ai aucune raison de faire l'un ou l'autre. Écoute-moi. La porte doit être fermée. La tour doit être isolée du puits. C'est du puits que le destructeur tire son énergie. Le puits des âmes? Des millions d'âmes, oui, asservies, corrompues. Une puissance malsaine donnée aux armées du destructeur. Vous êtes le régisseur du bas-monde, le gardien du puits. Aucune âme ne peut rejoindre ce monde à votre insu. À moins que vous, gardien, n'ayez ouvert la voie. Le destructeur a envoyé ses plus puissants élus contre moi. Je n'ai pas fait mieux que toi, cavalier. Contre Straga. Straga, me conduirez-vous jusqu'à lui? Tu as ma parole. Alors dites-moi ce que je dois faire, ange de la mort. Tu m'étonnes, il fera n'importe quoi pour avoir Straga. Là, par rapport au début que c'était fait défoncer. Je t'en prie, tu dois trouver un moyen de rétablir l'énergie dans cette salle. Je t'en prie. Tu dois trouver un moyen de rétablir. Ouais, bah c'est la jerk à faire. Hein. Mais bon, c'est parti. On va essayer de libérer Azrael. L'ange de la mort. Ok. Alors. Là il me faut ça. Voilà, ça. Donc, si je fais. Est-ce que j'arrive à atteindre le ballon? Comment je fais pour passer ici déjà? Si je passe là. Tout le temps, ça s'ouvre. Ensuite, je fais. Ça. Je repasse par ici. Je fais ça. Passer par là. Et c'est bon. Alors. Est-ce qu'elle a quelque chose à récupérer? Il me semble que dans les deux passages, il y a un truc. Donc il faut que je réfléchisse. À voir déjà qu'est-ce qu'il y a quand même. Si je me mets ici. Voilà, là-bas, il y a un coffre déjà. Je vais aller le chercher, on en s'est fait. Yay! Bam. Ah! Ça, est-ce que... Ah non, c'est pas pour ici. Hop, je passe par là. Oh, mais là, c'est fermé, fait chier, putain. Non, là, je crois pas que j'atteins. Alors, si je l'atteins pas, on va faire ça, tout simplement. What the fuck? Quoi? J'étais dessus, là. Putain. Donc je prends la chaîne. Hop. Il est sérieux lui? Voilà.
Donc ça, c'est fait. Maintenant, faut que je le refasse. Et je sais pas comment je vais me démerder. Merde. Fais chier. Là-bas, en vol, je l'atteins pas, je pense. Ah, s'il s'accroche. Yay! Alors. Accroche-toi. Voilà. Avant de comprendre, la première fois quand j'avais joué au jeu, c'était abusé quoi. J'avais mis 2 heures avant de passer le machin. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça en fin de compte. Mais bon. C'est vrai que quand on connaît pas, c'est pas évident. Du coup, il m'a explosé ce connasse là, déguste un peu. Et tiens, arrachement de tête. Alors, y'a rien sur les côtés là? Non. Alors, oh putain, c'est vrai que là. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Sauf ces deux-là, si je fais ça. Si je fais ça. Ça et après je les retourne les deux. Donc, vu que là tu les retournais, si je les retourne, ils se retournent tous les deux. Voilà. C'est super de se balancer. Deux coffres là, il n'y a pas d'ennemis. Pas normal ça. Est-ce que j'ai du courroux? Non. On va prendre le courroux. Le courroux. C'est quoi de la vie? Ouais, la vie, non, pour l'instant, ça ira. Ah, là, il y a un autre. Un autre coffre de vie. Bon, pour l'instant, je n'ai pas forcément l'utilité. Alors, ça, ok. Bon, forcément, faut que je descende. Oh, une autre couleur d'ange de. Enfin, si on peut appeler ça une ange. Ça peut être le démon. La tournée de la main. Quel niveau on est là, là faut, je sais pas quel niveau. Hop. Ils sont tous niveau 2. Ah, c'est vrai que j'ai pris un petit peu d'avance avec la 24. Vu que j'ai la faux avec moi, je pense que je vais te mettre augmenter avec la faux. Déguste-moi ça. Et toi aussi. Ah. What the fuck. Il sort double. Merde. Non, non, non. Ah!
Et le 3 et le 4 et il manque plus que le 2. Je m'attendais pas là, il m'a pas montré qu'il allait faire une attaque. Putain la vache. Bye. Allez, viens ici, je te coupe la tête, espèce de fou. Déguste un peu. Ce qui est patron là. Encore un. T'as pas eu ta dose, bitchy? Putain. T'as les coriaces, hein? Et déguste ça. Putain, par contre, je fais un peu le malin, mais il reste qu'une barre de vie. Bon. Personne. Un nouveau pouvoir. Mais qu'est-ce donc? Bah ben voilà, vous a montré. Couleur du néant, une relique mystérieuse qui crée des portails permettant de voyager instantanément entre deux points. Alors, tac, si je me mets là, et que je vais là. Voilà. J'ai pas envie de le faire disparaître. Portail chargé. Gardez RT enfoncé pour créer un portail chargé qui augmentera fortement la vitesse de sortie de guerre. Alors ça. Ok. Ça, je le charge. Voilà. Si je le mets là. Ça apparaît plus haut. Yay. Ok, il va falloir que je trouve. Ouais, il était bien. Ah merde. Ah, il me faut une bombe. Ah ben, c'est tout demandé. Ah merde! C'est bon. Putain, fichier.